Le fleuve a été présent dans toute ma vie et je ne m'en suis rendu compte qu'à l'issue de ce voyage initiatique. Plus j'analyse le fleuve et plus j'ai envie de vous en parler. On voit bien que déjà le fleuve évoque beaucoup de choses contrastées, extrêmement diverses, dans des séquences heurtées. C'est bucolique, ça donne envie d'y aller et puis subitement, ça devient très industriel et très urbain. Mais il y a une constante dans ce paysage, c'est qu'on n'y a jamais accès. Il est usuel de parler de la Seine, et la Seine est un personnage. Et c'est un personnage important. Elle est classée au rang des priorités nationales. La Seine est un prétexte à parler de tout. Tous les sujets peuvent se rapporter au fleuve, puisque c'est un élément de civilisation, de voyage des idées et des marchandises. Il y a encore des cultes druidiques aujourd'hui. Son histoire remonte bien avant les Gallo-Romains, même avant les Celtes. L'eau de la Seine n'a pas de vertu thermale et pourtant c'est un lieu sacré. En fait, la Seine est un personnage de roman. Il y a beaucoup de mythologie autour de la Seine, que ce soit la tête de Saint-Denis, les écorchés de Jumièges ou même la côte des Deux Amants. En ce moment même, l'ensemble du fleuve vit une révolution. D'abord, il y a la conscience collective de l'urgence climatique, réellement. Sur l'ensemble du fleuve, il y a une notion qui se développe et qui s'appelle la continuité écologique. Il y a des zones du fleuve, probablement pas loin d'ici, qui vont être libérées et rendues au fleuve. On m'a toujours accueilli généreusement. Et la plupart du temps, les gens qui m'accueillaient étaient non seulement des voyageurs, mais souvent soit des travailleurs sociaux, soit des enseignants. Et que m'ont demandé tous les enseignants, systématiquement? Venez dans nos écoles parler de tout le fleuve. À la source du fleuve, on l'enjambe d'un pas, il n'y a pas de notion de rive. Et plus on avance vers l'estuaire, plus le fleuve s'écarte. Au contraire, plus il y a une distinction très nette entre la rive droite et la rive gauche sur des notions de géographie, de richesse et de culture. Et le fleuve est évidemment plus difficile à franchir. En fait, on assiste à le sens d'inversion des rives, des fleuves en général, qui étaient jusqu'à l'ère moderne des lieux de déchargement, un cloaque, une externalisation des fonctions dont on ne voulait pas, et dont on voit bien qu'aujourd'hui, ils deviennent des lieux d'agrément où on reconquiert les usages. Je veux montrer la diversité de l'ensemble des paysages de la Seine, qui, me semble-t-il, sont assez méconnus. J'entendais partout les cascades. Dans les terrains, les talus, partout, on entend ruisseler. Dans chaque village, il y a plusieurs fontaines, il y a plusieurs lavoirs. Je n'ai qu'un objectif, un seul. C'est faire en sorte de vous donner envie à tous de remonter le fleuve, d'aller jusqu'aux sources et de contribuer autour du projet que je mène, la Seine Vagabonde, à créer des ponts autour d'actions communes.